Donc, bienvenue à cette rencontre des après-cours en univers social. Petit retour sur les informations précédentes. J'ai fait un petit sondage. J'ai eu une participation de 6 personnes qui ont été généreuses de leurs réponses. Essentiellement, je me rends compte qu'on a une belle communauté de conseillers pédagogiques en grande majorité. Je me suis un peu ajusté en considérant que vous êtes surtout des entremetteurs de milieu. À ce moment-là, je me suis permis d'aligner des recherches peut-être plus sur des outils que vous pourriez présenter à vos enseignants. Donc, essentiellement, on voyait que le modèle qu'on a actuellement répond pas mal aux besoins de tout le monde. Je voyais essentiellement que 6 rencontres, 4 à 5 rencontres, dans le fond, c'était amplement. Et que une des meilleures périodes de temps pour vous proposer une rencontre virtuelle, c'était durant l'automne et le printemps. Donc, je comprends qu'on est pas mal dans les bonnes périodes pour pouvoir vous rencontrer ou vous convoquer à une rencontre virtuelle. On a essentiellement les disciplines. On voit que ça touche beaucoup monde contemporain et histoire du Québec et du Canada. Peut-être les autres cours sont en construction. Comme justement, je vais avoir l'occasion de vous parler d'un cours qui est en construction à Pierre-Neuville, dont je collabore étroitement avec un professeur. Quels sont les sujets que vous aimeriez parler davantage? C'est sûr qu'un échantillon de 6, c'est peut-être pas nécessairement très, très représentatif, mais je voyais que ce qui intéressait la très grande majorité, ou en fait la totalité des 6 personnes, on aime beaucoup les expériences en salle de classe. Donc, à ce moment-là, c'est clair que je vais vous inviter peut-être à nous partager comment ça se passe par chez vous, quelles sont les différentes initiatives qui sont mises en place, d'où notamment l'importance, tout entre autres l'importance de la présence de France parmi nous, qui a déjà une expertise terrain en monde contemporain. Et l'autre élément qui, à mon avis, touche plus mes compétences, c'est le partage de matériel et de ressources, notamment en lien avec les matières d'univers social. Résultat du sondage, ben c'est ça. Je vais essayer de répondre aux besoins le plus que je peux. Vous êtes une communauté, n'hésitez pas à me faire savoir quels sont vos besoins. Je vais me faire un devoir de vous trouver des choses qui sont pertinentes et intéressantes. Donc, déjà, dans un contexte de partage, je voulais vous partager peut-être une question qu'une enseignante m'a partagée, qui commence à enseigner le cours Monde contemporain. Et elle me demandait, puis là je me disais que ça peut être une belle question à soumettre à la communauté. Quand on parle de monde contemporain, est-ce qu'on passe autant de temps à parler d'histoire, donc du passé? Est-ce qu'on parle de l'actualité ou est-ce qu'on a aussi des conversations sur le futur? Je ne sais pas si c'est une question que vous pourriez répondre peut-être dans le chat. Selon vous, c'est quoi en premier, en deuxième et en troisième? Est-ce que le cours Monde contemporain, on parle beaucoup, est-ce qu'on parle autant d'histoire que d'actualité, à votre avis? Parce que pour l'instant, la question se posait auprès d'une enseignante. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être vous porter à ce jeu-là dans le chat. Pour vous, c'est le présent, le passé ou le futur qui est le plus important dans le cours Monde contemporain? Dans un passé proche, intéressant, France. Justement, c'est le genre de question que je trouvais que ça faisait une belle passerelle vers ce que tu vas nous partager incessamment. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent partager peut-être leur perception. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Donc, ce que j'entends avec France, c'est effectivement que c'est contemporain, donc on parle du présent, effectivement. Donc, c'est un peu ça la question que je posais parce que moi-même, je me suis posé la question parce que l'histoire est indéniable. Le passé en faisant des liens avec l'actualité. Super intéressant, effectivement. Effectivement, c'est ça aussi, c'est un autre enjeu que l'enseignante me partageait, comme France l'a dit, donc difficile de parler de l'actualité, ça demande trop de préparation pour s'adapter aussi rapidement. Effectivement, puis c'est un peu là où la question du cours au monde contemporain, on peut facilement se préparer à donner des contenus en lien avec le passé. Mais est-ce que le cours Monde contemporain n'est pas un peu la suite logique du cours du 21e siècle, du 20e siècle, pardon? Justement, à savoir, le cours Monde contemporain commence là où le cours du 20e siècle se termine. Et effectivement, c'est un enjeu de parler de l'actualité. C'est un mini débat que j'ai eu avec certains enseignants sur place.
Et justement, je voulais un peu sonder votre avis là-dessus. Et c'est une réflexion qui mérite quand même d'en parler, on en signe. Mais ce n'est pas l'histoire du 20e siècle, effectivement. Par contre, ça reste peut-être à développer. Donc, j'ai bien hâte de voir si ça peut se matérialiser. Si jamais vous avez besoin de soutien, ça va me faire plaisir d'y participer. Mais bon, c'était une petite question pour pouvoir faire un peu l'arrimage avec ce que France souhaitait peut-être nous partager. La dernière rencontre, on avait eu une présentation de France d'un outil qui avait été développé à la Commission scolaire des draveurs. Et ce que j'en comprends, c'est que France nous partage les derniers développements. Il y avait Gilles qui me disait, il est peut-être possible de montrer quelques activités en lien avec l'actualité. Absolument. C'est d'ailleurs des petits outils que je vais vous présenter tout à l'heure qui peuvent vous donner peut-être des bonnes pistes pour pouvoir être peut-être pas nécessairement que dans l'actualité, mais au moins être capable de ramasser au vol les outils qu'on a disponibles parce que souvent les grands morceaux de l'actualité sont dans certains lieux du monde. Et je vais vous proposer des petits outils en ce sens. Mais auparavant, si je peux passer la parole à France, qui pourrait peut-être nous parler du développement du cours de justement 5101. OK. Donc, pour ben là, si vous pouvez regarder le site dont vous avez eu le lien, je vais pouvoir le regarder en même temps avec vous. Essentiellement, bon, il y a trois thèmes, donc environnement, richesse, population. Et pour chacun des thèmes, il y a trois situations d'apprentissage. On parlait tout à l'heure de problématiques en lien avec des problèmes récents, ben, en environnement, c'est en lien avec ce qui se passe présentement, là. Les deux premières sont en lien avec les changements climatiques. La troisième est en lien avec un problème en lien avec la biodiversité. On parle du caribou forestier, donc c'est encore d'actualité. Donc c'est encore assez récent. C'est ça, c'est fait. Ça peut être pertinent pour parler plus de choses récentes. Pour la problématique richesse, on a trois situations. La première parle des inégalités entre les différents peuples. Donc, on parle de la répartition de la richesse là, pour plus de justice. La deuxième, on fait référence au colonialisme et la décolonisation. Donc, ça, c'est une situation qui fait plus de lien avec l'histoire. Donc, c'est intéressant. On a essayé aussi d'avoir une approche un petit peu plus historique pour certaines des situations. Ensuite, la troisième, c'est le contrôle des ressources et les politiques de développement. Donc, c'est quand même des choses assez récentes. C'est ça. Population, on fait référence à population mondiale. Donc, on étudie la population avec toutes ces tendances. Donc, ça, c'est plus général. Donc, on étudie la démographie, les mouvements migratoires. La deuxième, c'est en lien avec la gestion des mouvements migratoires et les politiques d'immigration. Et la dernière fait référence à l'expansion urbaine, l'impact économique des mouvements migratoires. Donc ça aussi, c'est encore d'actualité. Donc, ils ont écrit ici une lettre pour le maire pour parler un petit peu des problèmes en lien avec l'étalement urbain. Donc, c'est encore d'actualité. C'est à peu près ça. Donc le site, vous avez pour chacune des situations d'apprentissage, vous avez un bouton que vous pouvez cliquer pour télécharger le cahier de l'élève. Puis on indique la page. C'est toujours le même cahier pour chacune des situations. Au début, je les avais découpés pour que ça soit séparé pour chacune des situations. Finalement, bon, j'ai manqué un peu de temps à la fin, ça fait que quand on a fini le cahier, je vais pouvoir m'en remettre le cahier au complet, puis vous aurez à consulter avec les pages en question. Dans la section enseignants, vous avez un petit peu différents outils qui peuvent aussi vous être utiles pour aller un petit peu plus loin. Donc, ça s'adresse plus par exemple, développer des nouvelles situations d'apprentissage. Le programme est là. On a utilisé une macro-planification au début pour créer ce cours-là. Donc, ça pourrait vous être utile, un genre de canevas vierge de cette macro-planification-là.
On a aussi vous avez le cahier d'apprentissage aussi qui est disponible. Vous avez la version Word dans cette section-là. Donc, vous pouvez télécharger la version Word. On s'autorise à faire des changements dans la mesure où vous gardez la référence aux auteurs. Vous avez aussi le guide de correction qui est disponible en version Word seulement. Donc, c'est ouvert à tous. Vous pouvez les utiliser le cahier. On a manqué un petit peu de souffle pour faire le deuxième cours, donc il n'y aura pas de deuxième cours. On a travaillé très, très fort pendant des années à préparer ça. Là. Donc là, les enseignants, ils en ont déjà beaucoup fait qu'ils vont prendre le cahier de Grand-Duc pour le deuxième cours. Donc, mais peut-être éventuellement, on va changer certaines des situations d'apprentissage de début de chapitre. On va faire peut-être un itinéraire en ligne avec tout ça. Mais pour l'instant, on a juste le premier cahier. Donc, ensuite de ça, on a la section enseignants. Vous avez des canevas pour faire des situations d'apprentissage, un autre canevas vierge. Et un exemple d'affiche promotionnelle qu'on a utilisé. Et si éventuellement, vous avez le goût de faire ce cours-là sous forme plus de cours magistral, puis amener les élèves à faire du travail d'équipe, il y a des documents en lien avec le travail d'équipe qui pourraient être utiles. Nous, ce cours-là, au début, il était en cours magistral, donc tout se faisait en équipe. Il a fallu l'adapter pour l'enseignement individualisé, mais c'est sûr. Ça fait que c'est quand même possible, puis on vous a mis en ligne des documents qui pourraient vous servir. Vous avez aussi les matériels didactiques utilisés en classe et l'information un peu sur l'évaluation. Donc, les examens qu'on utilise, c'est les examens de ville. On n'a pas fait de changement sur les examens. Il y a aussi une grille d'évaluation progressive individuelle qui se retrouve à la fin de chacune des situations d'apprentissage. Ça, ça évalue le degré de développement des compétences. Donc, on est pas mal fiers de ça. C'est le fun, ça permet de voir un peu l'élève où il se situe d'une situation à l'autre. Donc, ça permet un meilleur suivi. Donc, là, ce cours-là va nécessiter quand même pas mal d'encadrement. Parce que les élèves vont avoir à aller rencontrer l'enseignant pour présenter régulièrement qu'est-ce qu'il a fait tout ça. Donc, ça demande assez d'encadrement. Le matériel utilisé, donc, il n'y a aucun cahier d'apprentissage aux adultes qui a été utilisé. On a utilisé différents manuels du secteur des gens. Donc, vous avez la liste de matériel didactique qui est présente. Puis, dans le cahier d'apprentissage, à chacune des situations d'apprentissage, on fait référence aux différents manuels. Donc, on en a un certain nombre qui se retrouvent en classe, puis les élèves vont avoir à consulter les extraits des matériels. C'est à peu près ça. On fait aussi référence à des sites Internet. Donc, la pertinence du cahier, c'était surtout pour permettre aux élèves d'avoir ils peuvent cliquer directement sur les liens sans avoir à écrire en détail l'ensemble des adresses électroniques. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce site-là. Oui, donc, utiliser aussi en classe. On se posait des questions sur la formation à distance. On s'est dit, pour l'instant, ce n'était pas très réaliste de l'utiliser pour la formation à distance pour l'instant parce que on fait référence à différents manuels, donc 4 à 5 manuels du secteur des jeunes. Les élèves à distance n'ont pas ces manuels-là, donc c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être un jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va scanner, numériser les extraits, les mettre dans un site protégé pour que les élèves puissent faire le cours. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Voilà, je voulais en profiter pour souligner le travail de toutes ces personnes qui ont participé à ce cours-là. Donc, si vous allez dans la section contact, vous avez des personnes. Donc, il y a Benoît Renaud, Christian Deschaines, Rachida Anzas, Sylviane Croteau, Yves Blais et moi-même qui avons travaillé là-dessus. Donc, on vous souhaite de l'utiliser. Puis, si vous avez des commentaires, à la fin dans le contact, vous avez une place pour envoyer vos commentaires. Moi, je vais faire le suivi pour les enseignants. Voilà. Donc, on a Jean-Pierre qui. Par faire référence à 5 manuels. On a utilisé des manuels. Quand on a préparé le cours, on a commandé l'ensemble des manuels de monde contemporain du secteur des jeunes. Et à partir de ces manuels-là,
On a fait des situations d'apprentissage qui font référence à certaines pages de ces manuels-là. Déjà, un gros merci du partage, France. Je suis très conscient du travail que ça demande. Moi, ce que j'inviterais peut-être la communauté, si on peut regarder ça dans un espace-temps relatif, des outils justement plus en lien avec l'actualité ou peut-être des hyperliens sur des journaux ou quoi que ce soit, ça pourrait être des éléments qu'on pourrait commencer à collaborer donc à travers le forum. Donc, peut-être se créer un mini-répertoire d'outils. Bon, je ne sais pas pour vous, mais en étant en univers social, moi, je me tiens à jour constamment. En passant, merci, France. Hein, là, je t'ai vu disparaître. Merci beaucoup de ta présence et de ton partage. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir justement un esprit collaborateur, peut-être partager vos sources, partager des nouvelles. Donc, de toujours avoir justement, en ayant une communauté, on peut facilement se mettre à jour et peut-être se partager des grandes nouvelles de ce monde. J'étais rendu à une deuxième partie, dans le fond. Récemment, on m'a proposé de mettre en place un contenu de cours optionnel. Donc, vous savez qu'avec le renouveau pédagogique, avec la nouvelle mouture, si on veut, de formation qui s'offre aux adultes, on a besoin de cours qui sont justement qui ont des crédits. Et à Pierre-Neveu, on m'a proposé de travailler avec un enseignant à la création d'un cours qui s'appelle la géographie culturelle, qui est super intéressant, qui intègre, entre autres, la technologie des casques de réalité virtuelle. Alors, je peux vous dire que c'est très impressionnant les possibilités de cet outil-là qui est peut-être à des années-lumière de ce qui est peut-être disponible dans vos centres, mais je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire d'utiliser ça. On peut se permettre d'aller voyager un peu partout à travers le monde. Dans le travail que je suis en train de faire avec un enseignant, c'est justement de créer des situations d'apprentissage qui vont développer un peu plus la culture générale. Donc, déjà, si ça peut vous mettre un peu... on est en train de créer justement la géographie culturelle, qui est justement de faire la distinction culturelle entre ces cinq pôles visuels, donc ces cinq pôles, pardon, culturels. Donc, on a bien sûr le monde occidental, on a le monde latino-américain, africain, l'Afrique, Maghreb, si on peut dire, l'Inde et l'Asie. C'est encore en construction, mais visiblement, il y a déjà beaucoup d'intérêt dans les différents milieux qui se manifestent. Je ne sais pas si c'est un élément qui pourrait vous intéresser éventuellement. Déjà, le contenu de cours va se construire, bien entendu, avec l'utilisation de casques de réalité virtuelle, mais là où je travaille aussi, c'est d'intégrer d'autres niveaux de casques de réalité virtuelle, c'est-à-dire que les téléphones cellulaires peuvent amplement servir, donc on peut mettre le téléphone dans une petite boîte et à ce moment-là, on peut voyager à travers le monde en utilisant divers outils, donc des outils de voyage et de navigation. J'ai eu une petite clochette. France, tu veux prendre la parole? Oui, je voulais dire que, bon, on a eu une petite démonstration des différents outils qu'on pouvait avoir là, avec le plan d'action numérique. Et j'ai eu l'occasion d'essayer les casques, là, les genres de lunettes là, pour la réalité virtuelle. Juste un bémol, c'est que si les élèves ont des cellulaires qui sont un petit peu vieux, ils ne pourront pas l'utiliser. T'sais, parce que moi, en tout cas, j'avais mon cellulaire date de 2015, puis ça ne marchait pas. Donc ça, c'est plate. Ça fait qu'il va falloir aussi penser, si vous montez un cours comme ça, d'avoir peut-être un certain nombre de cellulaires pour ces élèves-là qui auront des cellulaires qui seront trop vieux pour les utiliser. Merci du bémol. Je travaille un peu là-dessus justement pour que ça soit très beaucoup plus inclusif. Une chose qui est intéressante aussi, il y a un beau parallèle qui a été fait avec les étudiants en francisation. Donc justement, eux utilisent les cellulaires uniquement aux tablettes. Pour ce qui est de la réalité virtuelle, c'est plus les cellulaires. Pour ce qui est des tablettes, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une forme de navigation 360 qui se fait avec le tactile, donc l'écran tactile. Donc, exemple, si vous tapez 360 Lyon, vous allez avoir des vidéos 360 de National Geographic.
je veux dire, comme il faut. Et bon, dans la version tablette, si on peut dire, sans avoir de casque de réalité virtuelle, on peut quand même se promener, donc en se déplaçant soit avec sa souris, mais avec un peu de tablette avec le doigt. Donc, il y a moyen d'avoir des éléments intéressants. Ce qui est intéressant avec le cellulaire, c'est là, on peut faire la division de l'écran et à ce moment-là, on peut le mettre entre les casques dans lesquels on peut mettre notre téléphone cellulaire et à ce moment-là, faire un visionnement en 360 degrés et qui donne vraiment une impression très, très intrusive. Effectivement, France, tu fais bien nous rappeler que ce n'est pas tous les téléphones qui sont capables de faire usage de cette technologie-là. Pour en revenir à la francisation, c'est qu'il y a des enseignantes qui ont, à Saint-Jérôme, qui ont des iPhones, une autre génération un peu ancienne, mais il y aurait moyen de faire une corrélation entre la francisation et la géographie culturelle, donc à travers des présentations orales des immigrants qui pourraient présenter leur lieu d'origine. Ça serait, c'est ce qui est en construction. Est-ce que ton travail est pour une maison d'édition? Ce travail-là, c'est pour une commission scolaire. Donc, ça va être ouvert à tous. Donc, ça va être vraiment des contenus de cours qu'on aimerait pouvoir diffuser. À court terme, on va l'essayer à la commission scolaire Pierre-Neveu, mais éventuellement, c'est clair que ça pourrait être intéressant de faire des situations collaboratives et de voir comment ce cours-là pourrait se transmettre un peu partout. Parce qu'il y a des éléments qui semblent récurrents, autant pour les profs de français que de n'importe quelle discipline. La culture générale a l'air d'être un élément qui est récurrent. Et donc, on pourrait être intéressé l'an prochain, France, ben, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. Donc, c'est ça, c'est de pouvoir créer un nouveau contenu de cours, mais qui soit justement, qui offre un contenu qui est un peu plus axé sur la culture et l'ouverture sur le monde. Bien entendu, on a en ligne de mire aussi la géographie régionale. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, qui intègrent notamment les caméras de 360, donc justement qui proposent peut-être des situations d'apprentissage dans lesquelles les régions, les étudiants pourraient intégrer des captures d'écran 360 et faire des ondes cliquables. Ce qui m'amène justement à vous proposer certains outils qui pourraient rendre l'apprentissage un peu plus interactif. Je fais le pont. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des idées pour ce qui est de la construction, la confection de cours qui intègrent les technologies, ben, faites-moi signe. Je m'amuse souvent à faire le pont. Donc, effectivement, il y a aussi le récit univers social actuellement travaille beaucoup à créer des situations d'apprentissage qui intègrent la réalité virtuelle. Ce qui peut justement être intéressant en formation générale aux adultes ou en formation à distance, c'est que ces situations d'apprentissage-là peuvent justement être consultées à des temps très diversifiés. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'amène justement là à mon intention de vous présenter certains outils pour créer des situations d'apprentissage qui peuvent être intéressantes. Si je vais dans un premier temps vous montrer Edpuzzle, ceux qui connaissent déjà, ça ne va peut-être pas être une grande révélation, mais je peux vous dire que ça peut offrir quand même quelque chose de super intéressant. Edpuzzle, essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil qui est très simple à utiliser. Je vous invite à l'essayer. Je l'ai présenté tout à l'heure à cinq enseignants. Très, très simple d'utilisation. Ça permet de pouvoir intégrer une vidéo YouTube, donc que ce soit vous-même qui vous enregistriez. En tout cas, vous faites un enregistrement et vous pouvez déjà choisir le laps de temps de la présentation du vidéo. Donc, si vous vouliez présenter une vidéo de Épopée en Amérique et que vous ne voulez pas présenter les 45 minutes, mais plus des périodes bien précises, donc vous pouvez faire un choix de temps que vous voulez présenter. Vous pouvez faire justement des commentaires audio et vous pouvez aussi insérer des questions. Bon, là, je suis désolé, le partage d'écran est un peu défaillant dans mon cas, mais je peux vous dire que c'est un outil qui est très facile à utiliser, très convivial. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez avoir accès à la communauté. Donc, les gens qui sont autour de vous vont pouvoir justement vous partager des choses. Donc, si vous spécifiez que vous êtes en histoire ou en univers social, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès à d'autres matériel qui aurait déjà été monté au préalable avec Edpuzzle. Donc, super intéressant pour mettre des pauses dans des films et des questions ou des éléments audio. Ceci dit, dans un autre registre, donc un autre outil qui est très intéressant,
On parle de tour creator. Donc, justement, dans le même ordre, donc dans la perspective de créer un cours en ligne, puis là, comme vous voyez, c'est une photo tirée de Google, Google Street. Donc, c'est un outil qui vous permet de créer des visites virtuelles de certains lieux. Donc là, on est en Égypte et on peut faire des zones interactives. Donc, vous voyez les points d'exclamation ou d'information. C'est moi qui les ai mis là. Et à ce moment-là, bon, là, je l'ai fait rapidement un peu, mais vous pouvez avoir soit des capsules audio, vous pouvez mettre des articles, des éléments qui sont en lien avec l'histoire ou avec l'actualité. Et là, comme tu peux voir en bas, Richard, tu as en scène 1 ou 2, 3. Donc, on peut se promener sur l'image, mais on peut aussi créer littéralement une visite. Donc, on est toujours en Égypte. Si tu cliques dessus, normalement, on devrait se rendre à côté du Sphinx. Donc, c'est qu'on peut littéralement créer une visite. Donc, ce que je voulais montrer, c'était, bon, quand on parle de l'Égypte, on pense souvent aux pyramides. C'était de donner une image, justement, de plus en plus moderne. Donc, on voit que maintenant, les pyramides, ben, c'est non seulement, c'est encore très présent, mais c'est très touristique. Puis, ben, si on voit, bon, encore une fois, alors, si on place le point d'information pas à bonne place, mais ça va être dans la face du Sphinx, ce qui n'est pas très bonne idée. Ceci dit, il y a moyen comme ça de créer très facilement des visites à travers le monde. Donc, quand je vous disais qu'il y a moyen de créer des choses en lien avec l'actualité, pour moi, faire un tour creator comme celui-ci, ça a été comme 15-20 minutes. Donc, exemple, qu'il y a un attentat qui se passe à quelque part, puis qu'on a accès au Google Street, bien, on serait capable de pouvoir voir qu'est-ce que ça avait l'air au moment où ça a été pris en photo avec le fameux Google Car et de mettre une photo d'actualité avec le point d'exclamation, qu'est-ce que ça a l'air. Donc là, c'était pour montrer justement que le Caire, ben, c'est quand même une ville très moderne. Donc, autant qu'on pense que le Caire est très âgé et qu'on pense juste aux pyramides, mais on peut voir quand même que c'est une ville très moderne. Donc, c'est une manière de faire voyager les étudiants. Donc, c'est à la fois une source cliquable. Oui, c'est fait avec Google Street, c'est ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, avec le Tour Creator, on fait simplement, on crée une interface de voyage. Donc, on choisit les séquences Google Street qu'on veut avoir, puis on peut mettre des zones cliquables. Donc, c'est quand même super intéressant. Ça permet de faire voyager, de peut-être faire vivre l'actualité avec un léger passé, comme on disait dans le chat. Mais je trouvais que c'était un outil qui était vraiment intéressant à vous proposer à ce niveau-là. J'en ai un autre qui est encore plus wow, qui mérite quand même un peu de travail d'appropriation. On a Genially. Alors, donc, Genially, ça c'est juste pour vous montrer, ça c'est un exemple. Donc, c'est des canevas déjà faits, ou comment on dirait, c'est un frame. Donc, vous pouvez prendre le frame et à ce moment-là, modifier certaines choses. Donc là, vous pouvez voir que si vous allez en haut, parce que c'est en gris, il y a des petits yeux. Et là, bon, c'est un pays qui touche plusieurs continents. Là, vous pouvez aller voir les autres yeux. C'est un pays notamment qui était au cœur de la guerre froide. Si on regarde un autre indice, c'est un pays où il y a que... C'est là où les Lada ne sont présents uniquement dans ce coin du monde. C'est un pays qui a eu beaucoup de sanctions économiques et c'est un pays, bien entendu, qui a le plus long train du monde. Vous pouvez deviner qu'il s'agit de l'ex-Union soviétique, donc la Russie. Et si vous cliquez sur l'onglet de la Russie, ben, normalement, vous allez voir apparaître le résultat. Donc, je ne sais pas si, Richard, tu peux cliquer sur la Russie. Voilà. Ah, on ne voit plus. Bon, bonne réponse. Donc là, c'est juste pour dire que, dans le fond, avec un Genially nous permet de faire des zones cliquables. Donc, c'est des éléments de présentation, que ce soit un PowerPoint, que ce soit donc différentes façons d'utiliser les présentations dynamiques. Et il est quand même assez facile de faire ça. Et comme là, si tu fais pays suivant, c'est une zone cliquable qui nous amène à une prochaine étape du quiz. Donc là, j'en ai fait trois. Donc, à peu près la même chose, mais là, on est dans un autre endroit. Donc, c'est un pays qui dispose de la plus grande forêt tropicale. C'est un pays qui est très catholique. C'est un pays, notamment, où il y a plusieurs problèmes de cartel et de consommation. C'est un pays qui est très corrompu. Puis c'est là où on a une des grandes forêts tropicales et un des grands festivals ou carnavals du monde.
Donc, effectivement, on aurait le Brésil. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée qu'en peu de temps, parce que oui, on a la réponse, le Brésil. Donc, c'est en peu de temps, on est capable de créer des petits jeux comme ça qui peuvent justement agrémenter de temps à autre le contenu d'apprentissage. Donc, c'est juste un exemple parmi plusieurs. Donc, si vous allez sur Generally, vous allez pouvoir voir que, bon, d'une part, il y a une version qui est gratuite, donc on peut aller le consulter et faire des productions donc très, très intéressantes. Donc, essentiellement, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont gratuites. La version payante nous permet de pouvoir télécharger du contenu et à ce moment-là, de pouvoir être un peu plus autonome face à Internet. Donc, pour ce qui est des milieux carcérales, donc si jamais vous avez des prisons sur vos territoires ou si jamais vous avez des situations où l'Internet est peut-être moins stable, ben ça peut être intéressant. C'est un abonnement de 90 $ par mois, ce qui est, par année, pardon, qui n'est pas si cher que ça, considérant qu'il y a des outils qui sont très chers qui font à peu près la même chose. Donc, ça permet quand même beaucoup de diversité, des choses qui sont vraiment intéressantes pour ce qui est de l'animation. Ce qui est surtout une plus-value, notamment FGA ou dans FAD, donc la formation à distance, c'est d'avoir des zones cliquables pour pouvoir naviguer dans les contenus. Alors, ça ressemble un peu à ça, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est sûr que, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire un petit tour de table. Je vois que Gilles nous a peut-être laissé des petites notes au point, un petit tour de table. Je ne sais pas, donc, est-ce qu'on peut voir ça? Je ne sais pas si vous aviez, donc je vous ai envoyé un petit questionnaire, donc une image que je voulais vous montrer aussi. Donc, comment que ça se passe dans vos milieux? Peut-être vous avez eu l'occasion de la voir circuler. Richard nous a laissé donc des ressources en éducation financière. Oh, super intéressant. Donc, en route pour une deuxième cohorte. Donc, on a accès à... Wow, OK. Donc, Richard nous partage son contenu de cours, donc c'est malheureux qu'on ait manqué s'il aurait pu nous présenter ça. Nous sommes toujours en attente et en recherche d'évaluation finale en évaluation en éducation financière. Non, mais on a Jean-Pierre aussi qui est dans le chat qui nous dit on est toujours en attente et en recherche d'évaluation finale. Donc, ça là-dessus, je ne saurais pas quoi répondre. Peut-être Gilles aurait pu mieux y répondre, mais éventuellement, je peux poser des questions aux bonnes personnes pour ce qui est de où on pourrait trouver les évaluations finales. Notamment, on pourrait poser la question à Marie-Hélène. Donc, je vais lui faire part de cette question-là. Mais on voit déjà que le matériel fait par Gilles et son équipe est quand même bien avancé. Le prototype à l'automne 2018. Qu'est-ce qui est déjà fait ou épreuve CSCV en production. Donc, nous avons produit une que nous expérimentons. Ah, super. Ah ouais, bon, hein. Donc on voit qu'il y a des bonnes questions et des réponses intéressantes qui sont ici. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est si jamais vous avez des prototypes ou si vous avez des éléments que vous souhaitez peut-être expérimenter dans différents milieux, ben, ça peut être intéressant de les partager sur le chat, sur le forum. Je sais que c'est déjà bien commencé. Je suivais le forum, puis c'est quand même bien dynamique ce qui est partagé en éducation financière. Et donc là, on lit que France, Julie Biron de la CSCV pourrait vous aider. Il y a deux évaluations disponibles. Donc, c'est fantastique. On voit déjà des collaborations potentielles. Donc, je vous invite fortement à nous partager certains produits si vous en êtes à différentes étapes d'élaboration. Je pense que la collectivité, vous pourriez peut-être travailler facilement en équipe à ce niveau-là. Ça peut toujours être une plus-value. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites dans vos milieux? Par curiosité, qui parmi vous, là j'entends qu'il y a le cours qui se donne en monde contemporain. La grande majorité d'entre vous, j'imagine, donnez monde contemporain. Puis là j'entends qu'il y a au moins trois centres qui donnent aussi éducation financière, si la réponse est France. Super. J'imagine qu'en ce moment, par curiosité aussi, est-ce qu'il y a des centres qui donnent le cours en histoire ou c'est pas encore en application? J'imagine que vous êtes peut-être en attente des formations de
la part de Mme Sherwood, c'est très certainement. Donc, ce que j'en entends, c'est que le volet univers social est encore en construction. Donc, vous vous offrez encore les anciens cours d'histoire. Okay. Donc, j'imagine que vous allez regarder un peu l'évolution avec attention de quels seront les prochains contenus de cours qui vont être mis en place. Comme je vous dis, si jamais ça vous intéresse de créer une collaboration, ben, faites-moi signe. Moi, je l'ai déjà enseigné justement le nouveau programme. J'ai eu cette chance-là au secteur jeune. Ce que j'en ai compris, c'est qu'essentiellement, le contenu est pas mal pareil, il est simplement réorganisé différemment. Donc, si jamais vous voulez avoir un peu d'assistance à ce niveau-là, là, je peux m'y investir tant qu'on intègre les technologies, bien entendu. Donc, c'est cela. Je vous invite aussi fortement, si jamais vous avez des prototypes à partager, donc toujours dans une atmosphère créative quand même, n'hésitez pas à nous partager ces contenus-là. Ça peut toujours être enrichissant pour l'ensemble de la collectivité. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour partager les évaluations? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, peut-être que certains de vos collègues pourraient y répondre. Donc, Jolène pose la question, quelle plateforme utilisez-vous pour partager les évaluations? Donc, on a France qui répond qu'elle utilise le Google Drive. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est... Donc, c'est ça, le Mara, donc effectivement, qui est très sécurisé. Donc, effectivement, il pourrait avoir un groupe Mara. Si jamais vous voulez m'inclure dedans, je suis très partant de participer à la collectivité de l'humeur sociale. Donc là, ben, je vois qu'il y a déjà des collaborations qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous aviez d'autres... Bon, nous avons créé deux écoles en MOOC, mais je ne suis pas à l'aise de le déposer dans un Google Drive. Ouais, je peux comprendre. Donc, je vais voir avec mes collègues s'il n'y a pas moyen de créer un Mara, justement. Je pense que ça peut être quand même assez simple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, collaborateurs, Richard, Louise. Je vois dans le chat que Laurent Demercy est en train de se mettre en charge de la chose. Donc, c'est fantastique. Donc, déjà, on a une première démarche de fait. Donc, bien hâte de voir la suite. Merci énormément déjà de votre présence. Comme je vous le souligne à chaque rencontre, n'hésitez pas à nous partager vos bons coups, de partager peut-être des questionnements ou des enjeux. On va avoir une construction d'un groupe collaboratif. Donc, Laurent est très prolifique, donc c'est déjà fait. Donc, un gros merci, Laurent. Donc, bien hâte de voir la suite des choses. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, si vous êtes là, vous avez déjà mon courriel. Donc, sinon, c'est le giger.jeanfélix@cspn.qc.ca. Donc, faites-moi signe ou partagez vos besoins, en fond, sur le document collaboratif et on va y répondre de notre mieux. Donc, entre-temps, je vous rappelle que la rencontre qui avait lieu à lundi de Pâques n'aura pas lieu, mais justement, celle du 10 juin devrait y avoir lieu. Si je m'abuse, bien le 10 juin. Donc, au plaisir de vous revoir éventuellement et au plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir ce qui se passe dans votre petit coin du Québec. Bonne fin de journée à vous.